Salut, Starfire. Starfire. Oh là, Starfire. Entrez. Oui, Robin. C'est un jeu? De Watchy. Oh! De Watchy. Wouh! Tchou! Ah! Shabadabi Ching Bong! Boum boum! Merci, Robin. Ton jeu était très agréable. Oui, c'était super. Attends, Starfire, je voulais te dire autre chose. Tu sais, ce nouveau restaurant qui ouvre ce soir, je me disais qu'on pourrait peut-être y aller. Oh, j'aimerais beaucoup. C'est vrai? Bien sûr, mais je peux pas. Speedy m'a déjà proposé d'y aller avec lui. Speedy? Ça gaze, Robin? Speedy, toi? Speedy a toujours été le grand rival de Robin. Comme camarade, comme héros, et maintenant en tant que prétendant d'une étrange mais charmante princesse extraterrestre. À cet instant, Robin savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Speedy de conquérir Starfire, bien qu'il serait plus sage de s'occuper de cette voix qu'il entend dans sa tête. Quoi, lui, là? Tu plaisantes, j'espère. Comment peux-tu poser tes beaux yeux sur cette tête? Y a rien de plus facile. Oh, et je parle même pas de cette voix. J'ai toujours trouvé que vous vous ressembliez beaucoup. Même le son de votre voix est très proche. Tu ne comprends pas qu'il n'est pas fait pour toi, Starfire? Mais un rendez-vous ne sert-il pas à cela? À savoir si deux âmes sont compatibles? Viens. On a plein de choses en commun, toi et moi. On est élégants, on aime les câlins. Mais le plus génial, c'est qu'on porte la poisse. Dépêchons-nous, allons nous amuser. Les meilleurs amis. Jinx, est-ce que tu es encore en train de préparer un mauvais coup? Tu es sur le point de commettre un vol? Tu vas traverser en dehors des clous? Tu vas me répondre? Laisse-moi tranquille. Ah, un château! Hé, ce château n'est pas à toi. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est le tien? C'est un chat de gouttière, il n'appartient à personne. Très bien, je vois. Dans ce cas, on va scrupuleusement appliquer la loi concernant les félins et laisser ce chat de gouttière décider avec qui il a envie de s'amuser. Les titans. À quoi bon continuer à me déplacer? Je serai toujours plus lent que Kid Flash. Salut, beau gosse! Pourquoi t'es triste? Si avoir confiance en moi n'est pas un vrai pouvoir, alors je n'ai pas ma place dans cette équipe. Je ne sais rien faire, je n'ai aucun pouvoir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi le meilleur chef qu'il puisse avoir. Inutile de me remonter le moral. Je suis lent, je ne suis qu'un bon à rien, et en plus, j'ai les fesses molles. Alors comme ça, il y a un type qui court plus vite que toi. Il y a tellement de choses que tu sais faire mieux que lui. Et c'est pas seulement parce que t'as confiance en toi, c'est surtout parce que t'as travaillé dur pour y arriver. Alors, ma technique ninja vous plaît toujours? Oui, toujours. Je suis toujours le maître de la boîte à rythme? Oui, t'es pas trop mauvais. Et mon postérieur? C'est le plus musclé. Il faudrait des années à Kid Flash pour devenir aussi bon que toi. J'avoue que t'es bourré de talent, petit. Vous avez raison, j'ai peut-être perdu. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours plus d'un tour.
quelle heure elle va commencer, cette fête? Ça doit être écrit sur le carton d'invitation. L'invitation? Mais j'en ai pas reçu cette année. Tiens, c'est vrai, j'en ai pas reçu non plus. Maintenant que j'y pense... Attendez, c'est pas possible. Je savais! C'est dégoûtant! On nous aime plus! Pourquoi ils nous ont pas invités? L'année dernière, on a mis le feu à cette soirée! Oh ouais! Ouha ouha! Quoi de neuf? Je suis le roi de la piste! Ouha ouha ouha! Oui, c'est vrai. On a mis le feu à cette soirée. Robin, Raven, Starfire! Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Excusez-moi, madame. Bonjour. Ça fait un bail, hein? Ah! Robin! C'est quoi ce truc? C'est pas un truc. C'est mon bébé. Ouais, bah on s'en fiche pas mal de ce bébé. On parlait de ta coupe, c'est une horreur cette meulette. J'ai changé de look et on m'appelle Nightwing maintenant. Je suis devenu un adulte. Alors toi et Starfire, vous avez fini par vous entendre? Non, moi et Batgirl. Salut les gars. T'es arrivé, Robin! Avant, t'étais tellement plus cool! Enfin, comparé à maintenant! Je crois que ça te ferait du bien de sortir. On t'emmène au ciné! Je ne peux pas, ce soir, c'est moi qui fais le dîner. Mais pourquoi? C'est une de mes responsabilités. J'en peux plus, Cyborg! Et pourquoi est-ce qu'il est attaché à une chaise? Et pourquoi est-ce qu'il est en caleçon? Speedy a un rendez-vous avec Starfire ce soir, et je vais l'honorer pour lui! Quelque chose me dit qu'il est sur le point de ruiner toutes ses chances avec Starfire, pour toujours. Alors, tenez-le à l'œil pour moi, d'accord? Désolé, mon pote, on ne fera jamais une chose pareille. Même pour un paquet de Croc Scooby? Non, ouais, c'est conclu, ouais. Méchante. Merci, Raven, ça devient vraiment amusant. J'ai jamais dit qu'on allait s'amuser. Mais tu l'as suggéré fortement. Eh ben moi, je m'amuse. Oh, toi, la ferme princesse. Mais j'aime pas que tu lui parles sur ce ton. Je n'aime pas que tu me parles sur ce ton parce que je lui ai parlé sur ce ton. Oh, vous êtes énervante. Vous comprenez pourquoi je vous ai doublé? Parce qu'en fait, vous comprenez jamais rien. Pourquoi on se dispute? Peut-être parce qu'on se déteste. Je nous aurais jamais réunis si c'était vrai. Tu nous as réunis pour sauver tes amis. Tu crois que ça me gêne qu'ils soient enfermés quelques petites années? Ils sont super énervants. Ils peuvent être super énervants. C'est leur pouvoir le plus grand. La vérité, c'est qu'ils me tapaient sur le système. Et j'avais envie de faire une sortie avec des filles cool pour changer. Tu me trouves cool? Bah ouais, à part cette histoire de revanche. J'y pense plus tellement. Pour l'instant. Ouais, tout ça, c'est bien joli. Mais on est quand même coincés ici. Individuellement, on manque peut-être un peu de pouvoir, mais je pense qu'à nous toutes. Quoi, travailler en groupe? Mais on n'est pas à l'école. Raven a raison. Si nous unissons nos pouvoirs, ils pourraient faire sauter le système de sécurité. Mais comment allons-nous unir nos pouvoirs? Comme ça? Quoi? Bon, allons-y. C'est du beau travail. Donc... Je vois que vous êtes parvenu à sortir de votre cellule, mais vous n'échapperez pas à votre destruction. Pizza. Es todo lo que ustedes comen. ¡Pizza! Ya es tiempo de ampliar sus paladares.
Vous avez vu ça? Ils sont encore plus rapides qu'avant. Qu'est-ce qui nous prépare? Tamales! Je sais pas, j'ai un peu peur que ça me change un petit peu trop mes habitudes. Para crecer como una persona necesitas que abrirte a nuevas experiencias. Oh, c'est trop bon! Los tamales de Guatemala! Tamales colorado! Tamales de elote! Tamales de loroco! Tamalitos de chipilín! J'aurais jamais pu imaginer qu'il existait autant de tamales différents. Non, mais qu'est-ce qui se trame par ici? Oh, ces petits boulets de canon nous ont ouvert l'esprit à l'expérience ultime du tamalé. Ah, qui s'intéresse l'expérience ultime du tamalé? J'essaie de leur apprendre des choses importantes, comme être suspicieux ou taper fort. Prêt à faire un match de baseball? Ouais, on est tous impatients de commencer la partie. Formons les équipes, à condition que ce soit moi qui choisisse. Bon, ça va pas être facile. Je prends Billy. Moi aussi, je prends Billy. Je prends Billy. Ouais, je prends Billy. Ah, pourquoi c'est toujours moi qu'on choisit en dernier? Les conditions météorologiques sont exceptionnelles. Il y aura du grand soleil pour assister au match. Cacahuètes, qui veut des cacahuètes? Hot dog, qui veut des hot dogs bien chauds? Troisième strike, t'es éliminé! Éliminé, c'est ça que t'appelles un strike? La balle était à côté, t'es aveugle ou quoi? Tu me casses les pieds, je veux plus te voir ni t'entendre! Billy s'apprête à lancer, il lance la balle et... Et oui, c'est une frappe magnifique, c'est un home run! Ouais! Aïe! Vous m'avez dérangé pendant que je lisais tranquillement, et maintenant vous allez le regretter! À chaque fois c'est pareil, les titans ne respectent rien! C'est de vous qu'on se moque. Ça te dit de voir un truc cool? Bien sûr. Regarde un peu ça. Hey, hey, comment ça va? Waouh, t'as failli toucher Sticky Joe. Super, cette fois-ci j'ai laissé les yeux fermés. Attends, et si tu le touches? Je m'en moque. Pas moi. Ah, c'est vrai? Eh ben je le fais quand même. Comment ça va? Je peux pas te laisser lancer des couteaux sur Sticky Joe. Tu crois pouvoir me donner des ordres? Quelqu'un doit le faire, non? Combat! Dommage. Moi qui espérais qu'on soit amis. Enfin, c'est pas grave. Rose Wilson, tu vas retourner en prison. Et si ta prison est ici, alors tu resteras ici. Mais c'est quoi ces tenues? Ça se voit pas? On a été à l'école cool. L'école cool, c'est pas cool. Mais ça va aller, vous serez bientôt morts. Et les morts sont des gens cool. Nous sommes la dernière ligne de défense de cette ville. Si nous ne pouvons pas être sérieux en tant que super-héros, qui le sera? Regardez comme ils sont sérieux. Oh, ils ont des yeux qui reflètent leur droiture. Il n'y en a pas un seul qui sourit. Je me sens tout intimidé. Et je trouve ça super. Voilà, ça c'est des vrais héros. Envoyez-moi ces crétins dans notre base de la nébuleuse de Kratoa pour qu'on les y interroge. Quelque chose me dit que tout cela n'est qu'un début. Hé, hey, salut Aqualad!
Bonjour, mon cher Robin. Vous avez bien assuré. Je n'ai fait que mon devoir. Mais, excuse-moi, il y a une situation d'urgence qui requiert toute mon attention dans le cadran SN1885. Cool. Moi, je vais probablement y aller aussi. Quoi? Avant d'aller à un concours de mangeurs de tarte aux pommes? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu parles de tarte aux pommes? J'adore la tarte! Quand je dis que j'en veux, toi, tu... Pas maintenant! Quoi? Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais toi et ton équipe, vous n'avez fait que couvrir de honte tous les véritables super-héros. Les jeunes titans nous ont déshonorés. Hé, fais attention à ce que tu dis, mon ami. Il n'y a aucune différence entre nos équipes. On a tous nos petites habitudes. Mais nous tous, nous voulons arrêter les méchants. Ah oui, vraiment? Vite, avant qu'ils nous voient. Qui est partante pour une petite soirée entre filles? Soirée entre filles 3. Les super-héros doivent inspirer les cœurs. Ils doivent transmettre les vraies valeurs de l'amitié et de la vie. C'est ce qu'on fait. Et comment? En disant que les livres peuvent être dangereux? En cherchant ce qui est meilleur, les hamburgers ou les burritos? Vous vous acharnez à ridiculiser tout ce qu'il y a de plus sacré chez les super-héros. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire les imbéciles de temps en temps? J'aime beaucoup rire, moi aussi. Mais les jeunes titans ne peuvent pas garder leur sérieux un seul instant. Au revoir. Mais... J'ai dit au revoir. D'accord. Salut, Aqualad. Oui. On se voit tout à l'heure, hein. Chérie, c'est moi. Je plaisante, bien sûr, je vis tout seul. Où est-ce qu'il est? Oh, salut, jeune moi, comment ça va? Ne fais pas l'innocent. N'oublie pas ceci. Tout ce que je fais à mon corps maintenant aura des répercussions sur le tien dans le futur. Alors passe à table. Hein? Bon, d'accord, très bien, c'est toi qui l'auras voulu. T'as senti ça, futur moi? Oui, je crois me souvenir que j'ai eu mal. Ah oui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu t'en souviens? Oh oui, ça m'a fait très mal. Robin, arrête! Tu ne vas pas faire de mal à ton corps uniquement pour un sandwich! Non, c'est à cause du sandwich parfait. C'est de ça qu'il est réellement question. Eh oui, moi aussi j'ai été super déçu quand il s'est volatilisé, mais il faut savoir se faire une raison. C'est pas vrai, je sais que tu mens. Jamais je n'aurais accepté de lâcher l'affaire. De toute façon, je n'ai pas besoin de tes aveux, parce que tu es moi, et je me connais parfaitement. Il n'existe qu'un seul endroit où j'ai pu le mettre. Ce sandwich se trouve dans ton réfrigérateur. Allons, du calme, là tu perds complètement la tête. Tu vois, il n'y a pas de sandwich. C'est la misère. Non! C'est parfaitement impossible! À bientôt, l'énergumène. Oh, ça fait du bien d'avoir de la visite. À la recherche du nouveau jeune titan! Audition! Vixen, c'est un joli prénom. Il est écrit ici que tu peux imiter les aptitudes des animaux du coin. Bon, et alors? Tu sais imiter le piaillement des oiseaux? Cuit, cuit, au suivant! Allons, calme-toi. Je te prie de bien vouloir l'excuser. Il n'arrive pas à se faire au départ de notre ancien équipier. Fais-nous voir ce que tu sais faire. C'est nul! Mais alors vraiment nul! C'est carrément nul! C'est nul de chez nul! Navré Cyborg, mais je crois qu'on vient de trouver notre nouveau coéquipier. Je refuse de cohabiter avec elle. Au suivant! Ravi de te rencontrer, Monque la Bête. Monque la Bête? Skit Monk, surtout, c'est un nom moins comique. Arrête de te moquer. À première vue, Skit Monk le plus, c'est un pantalon. Si t'en veux un, dis-le-moi. C'est bon, ça suffit. Il manque pas de toupet, celui-là. Tais-toi. Excuse-nous, et si tu nous faisais une petite démonstration? T'es obligé de te servir de Silky pour faire ta démonstration? Je suis sûr qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Arrête, ne fais pas ça! Au suivant! Bonjour, je suis l'inspecteur Chimp. Au suivant! Je me présente, je m'appelle Belle Pépé. Au suivant! Ça valait le coup qu'il essaie. Excusez-nous.
On est les jumeaux prodiges. On a appris que vous faisiez passer des auditions aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point on vous admire. On est vos plus grands fans. Super, montrez-nous ce que vous savez faire. Pouvoir des jumeaux prodiges activé. Apparence du tigre. Il est formidable, ce tigre. Apparence de l'eau. Il est formidable, ce tigre. Je peux aussi me transformer en glace et en gaz. T'es trop fort. Merci. Salut, Robin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour récupérer l'équipe des Titans. Ne le prends pas mal, mais ça nous plaît que Kid Flash soit notre chef. Mais il n'a qu'un seul tour dans son sac. Je sais faire des tas de choses qu'il ne sait pas faire. Excuse-moi. J'ai sauvé une famille norvégienne de la noyade. Oh, pardon, je reviens. Ah, j'ai désarmé une bombe qui allait exploser. T'es le meilleur. C'était génial, comme toujours. Est-ce que tu veux m'épouser? D'accord, écoute-moi bien. Peut-être que tu cours vite, que t'es génial et que t'es un chef super sympa. Mais est-ce que tu sais faire des rythmes avec ta bouche? Bim dans les dents. Retour à la case départ. Voilà, deuxième victoire de la journée. Mais c'est impossible. Ce que tu viens de faire demande des années d'entraînement. Oui, c'est vrai, en général. Mais parce que j'ai confiance en moi et que je suis super rapide, ça m'a pris 3 minutes. Non seulement j'essaie d'imiter la boîte à rythme, mais j'ai aussi appris la technique ninja. Et regarde mon postérieur. Y'a pas plus musclé. Bon, très bien, tu as gagné. Les Titans sont à toi. Mais à une seule condition. À quoi encore? Je fais tout mieux que toi maintenant. Eh non, pas tout. Tu peux devenir le chef des Titans si tu arrives à me battre à... La course à pied. Quoi? Ce n'est pas parce que tu as perdu une course contre ce type que toute cette histoire a commencé? Cette fois, ça va être différent, parce que cette fois, je vais croire en moi et avoir encore plus confiance en moi que jamais. Si tu tiens, mais il a été prouvé que ça fonctionne pas. À vos marques. Vous êtes prêts? Vas-y, Kid Flash! Il est parfait, c'est l'homme de mes rêves. Aie confiance. Et regardez, il va franchir la ligne d'arrivée. Et il va réussir, mais oui, ça y est, il va gagner la course. Ligne d'arrivée. J'ai eu confiance. J'ai eu confiance en moi. Est-ce vraiment nécessaire, Speedy? Bien sûr. Je fais ça à tous mes rendez-vous. But! Je commence à penser que j'aurais mieux fait d'accepter l'invitation de Robin plutôt que la tienne. Ah bon? Mais je croyais que Robin et moi, on était presque les mêmes. Je dois avouer que je me suis trompée. Tu n'as rien en commun avec Robin. Adieu, Speedy. C'est ça. Va donc. Non. Robin? Mais que fais-tu ici? C'est justement pour ça que je suis là. Il est temps que tu saches qu'avec... Veux-tu m'excuser? J'ai toujours pensé que ton bâton était nul, mais en fait il est pas mal.